Bon, comment analysez-vous cette victoire au poteau? Au poteau, un match de défense. Première mi-temps équilibré, on mène le score, on revient très vite. Deuxième mi-temps, on doit tuer le match et puis malheureusement, nous traversons là. Mais je pense que les garçons font l'effort dans les 10 dernières minutes et puis je pense qu'après, c'est de la gestion de match qui fait la différence. Face à Kartik, c'est toujours des matchs très serrés, très disputés. Oui, très disputés. Et puis, mais là, disons qu'on dit que c'est un derby, mais on joue leur équipe réserve. Il faut être quand même conscient de certaines choses. Ça joue en départemental. Après, on se connaît, donc automatiquement, c'est des détails. Vous restiez sur une défaite. C'était important de renouer avec la victoire. Enfin, disons que la défaite à Vernon, je pense qu'on a surfé plus d'une. La semaine dernière, on a eu deux matchs compliqués, un match en Coupe de France où les garçons ont perdu d'un but. Je pense qu'aujourd'hui, la victoire contre Kersi fait oublier ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était votre dernier match de l'année 2018 Oui, en championnat, oui. Puis la semaine prochaine, on retourne à Vernon pour une Coupe de l'Heure. Donc là, vous finissez sur une bonne note en championnat. Oui. Vous prenez seul la première place Non, je pense que Bernet est invaincu s'ils avaient un match en retard. D'accord. Quels vont être les objectifs à la reprise Pour nous, on va jouer ce qu'on a toujours dit aux garçons, on joue le haut de tableau et puis après on verra en fonction des matchs, parce que la deuxième partie va être très très compliquée. On a beaucoup de matchs et très peu de trêves, donc je pense que physique va y jouer pour quelque chose. Donc le point fort ce soir, ça a été quoi dans l'équipe? Notre défense, toujours, des montées de balles quand ça veut sourire qui fonctionne. Et puis voilà, avoir un mental en défense, tant qu'on défendra comme ça, je pense que... On se fera plaisir derrière. Et le petit point faible à améliorer Nos transmissions de balles, les contre-attaques, pas la lucidité au tir, il y a encore trop de balles pour donner à l'adversaire.